Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus! Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélie78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo qui sera certainement mal comprise, parce que de base, je vais faire cette vidéo sans troll. Hein. Mais vu que je vais mal parler de PlayStation, ou que je vais mal parler d'une histoire concernant encore, malheureusement, mauvaise pub pour PlayStation, beaucoup de personnes vont penser que je troll. Alors que pour le coup, c'est pas du tout le cas. Je vous parle bien naturellement de Final Fantasy XVI, le jeu le plus puissant de l'histoire de la Terre, qui met à genoux la PlayStation 5. C'est inadmissible que la PlayStation 5, qui a même pas 3 ans, puisse déjà mettre un pied, enfin un genou à terre, pour des jeux qui, normalement, arrivent maintenant vraiment sur la full next-gen. Qu'est-ce que ça va se passer quand des vrais jeux full next-gen vont arriver? Est-ce qu'elle va décoller telle une fusée? Je trouve que c'est assez problématique pour les consommateurs. Je vous en parle tout de suite. Alors les amis, contrairement à ce que vous pensez, ce ne sera pas un troll, je ne serai pas là pour vous troller. Je sais qu'en général, j'en mets plein la gueule sur PlayStation, mais encore une fois, ça confirme que ce que je dis est vrai. Ce que je dis n'est pas juste pour faire chier le monde, c'est juste une constatation. Cette machine, c'est de la merde. Parce que moi, je me mets à la place du consommateur, d'accord? T'achètes une manette supplémentaire, ça coûte un prix. T'achètes ta console, ça coûte un prix. Le jeu coûte un certain prix. Donc moi, j'estime que quand tu es consommateur, acheteur, peu importe, ce soit Xbox, Nintendo, PlayStation, t'achètes ta machine, ce que tu veux, c'est y jouer et être peinard. Tout simplement. Là, le problème, c'est que Final Fantasy XVI fait surchauffer les PlayStation 5, ce qui vient qu'elles se coupent. Et ensuite, tu peux pas jouer pendant des heures parce qu'il faut attendre qu'elles refroidissent. Mais c'est inadmissible. Ça fait des années que je vous dis que cette console PlayStation 5, c'est de la merde parce qu'elle a mal été conçue, elle a mal été réfléchie, et cela se confirme. C'est pas normal qu'un jeu comme Final Fantasy XVI, qui, soyons tout à fait francs entre nous, est loin d'être une claque graphique, hein, puisse mettre à genoux la PlayStation 5. Alors, quand il y aura la full next-gen vraiment à fond, qu'est-ce qui se passera? Elle va décoller comme une fusée? Elle va exploser? Ce sera le nouveau Tchernobyl? Mais c'est n'importe quoi! Franchement, je suis pas en train de troller, je suis en train de parler pour les consommateurs. Mais quand je dis que c'est une machine de merde, c'est une machine de merde, parce que ça a un coût. Est-ce que Sony a vraiment fait des tests pour voir ce qu'elle avait dans le ventre? Parce que là, maintenant, il y a les influenceurs, les journalistes qui donnent des petites consignes pour éviter que la console surchauffe. C'est pas normal. Donc là, de toute façon, vous les allez lire comme d'habitude, hein. Voilà, faites ceci, faites cela, patati, patata. Mais à un moment donné, on te dit de couper le HDR. On te dit de baisser le framerate. On te dit limite de jouer en mode performance. Mais quand tu achètes une PS5 ou une Xbox Series X, attention, hein, tu joues pour voir la puissance de ta machine. Tu joues pour te dire j'ai une machine, j'ai la Rolls-Royce des machines, je vais en prendre plein les dents. Si on te demande de supprimer le framerate, de supprimer le ray tracing, de supprimer le mode, de mettre le mode performance, de supprimer le HDR, ta PS5 elle sert à quoi en fait? Dans ces cas-là, tu restes sur PS4. En fait, le jeu, si c'était pour qu'il y ait des gros problèmes comme ça, il fallait le sortir sur PS4 dans ces cas-là. Parce qu'en fait, en gros, tu joues en mode PS4 sur PlayStation 5. Alors que moi j'estime que quand tu achètes une machine, tu veux tout mettre au max pour pouvoir en profiter à fond. Cette machine est une douille. Et moi je vous dis, je répète, je parle pour les consommateurs, les gars. C'est simple. C'est pas normal qu'un jeu mette ta console à genoux. Et c'est pas normal qu'il y ait genre des tutos de la part des journalistes pour dire si vous voulez pas qu'elle chauffe, faites ceci. Faites cela. Non! Parce que moi j'estime que le joueur, quand il achète son jeu et la met dans la console, ce qu'il veut c'est jouer. Il n'a pas besoin de dire putain, elle va se chauffer, faut que je fasse ça, faut que j'enlève ceci, faut que j'enlève cela. Mais c'est un scandale! C'est un scandale! Pour moi, c'est l'une des machines les plus pourries de l'histoire. Elle n'est pas fignolée, elle n'est pas pensée, elle n'a pas été pensée pour durer. Attends, la machine, elle n'a pas 3 ans, et déjà, elle est à genoux. Merde! Mais moi, je suis Sony, je rembourserai les joueurs, bordel! C'est inadmissible de se foutre autant de la gueule de ces joueurs. Et là, je vous dis, je troll pas, je parle pour les joueurs. Là, à un moment donné, c'est le consommateur qui parle au consommateur. Faut arrêter les conneries, parce que je vais être clair, des fois il y en a qui me disent ouais, toi tes vidéos toujours à clasher ou Julien Chies ou les autres influenceurs et à clasher PlayStation, de toute façon t'es bon qu'à ça. Et les gars, je vais vous dire, c'est la personne que je suis, et je pense que c'est pour ça que je suis à plus de 1500 abonnés, que je vais pas au-delà, hein. Mais j'en suis conscient et j'en ai rien à cirer en fait, parce que des fois on me dit ouais,
T'as 1500 abonnés, mais en fait, tu pourras pas en avoir plus. Peut-être. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je coche pas les cases. Nous sommes dans une société de moutons où tout le monde doit cocher les cases. Au lieu de dire de quelqu'un que tu l'aimes pas, genre tu vas l'interviewer, tu vas dire, le mec il va dire, je ne suis pas totalement d'accord avec ses propos, mais je l'apprécie, c'est une personne respectable. Tu te mouilles pas trop, tu coches les cases, tac, t'as critiqué le mec, mais en même temps t'as dit que tu l'aimais bien. Ce sera pas un mec direct comme moi ou d'autres, hein, je suis pas le seul à être direct, qui va dire, non c'est un connard. Donc à partir du moment où tu ne coches pas les cases, c'est la société actuelle où il faut être dans des cases. Ben, automatiquement, tu es un marginal. Moi, je sais que c'est pour ça que, sur le plan des abonnés, moi, je pense que si j'arrive jusqu'à 5000, ce sera le max. Parce que si je cochais les cases, je le sais pertinemment, hein, mais moi, c'est pas pour cocher les cases et pour faire comme tout le monde, retourner ma veste, faire les suceurs à droite à gauche, que j'ai fait ma chaîne. C'est pour dire ce que je pense. Sinon, ça sert à rien d'ouvrir ma chaîne. Parce qu'à un moment donné, si je voulais cocher les cases, oh, lui il est gentil, lui il est gentil, on s'aime tous, le gaming avant tout, cœur, 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 tout le monde s'aime. Bah, je les aurais déjà les 10 000 abonnés, on va être honnête, hein. Je le sais pertinemment. Hein. Et en plus, si de plus j'avais une chaîne pro PlayStation, bam, je le sais pertinemment. Parce qu'en France, faut parler en bien de PlayStation. Moi je parle en bien d'Xbox. Déjà, à partir du moment où tu parles en bien d'Xbox en France, déjà, t'es blacklisté. Parce qu'Xbox, c'est l'ennemi. Mais moi, j'ai fait ma chaîne en connaissance de cause, les gars. Je me suis jamais dit, je vais plaire au plus grand nombre pour les abonnés. J'en ai rien à cirer. Si c'est pour être comme les autres, un mouton, ne pas avoir d'identité, d'accord, et rentrer dans un moule, ma chaîne ne sert à rien parce qu'elle sera aussi fade que parmi tant d'autres, en fait. Moi, j'ai mon identité, ma chaîne, elle est telle qu'elle. Donc, j'ai 1537 abonnés, là, à l'heure actuelle. Ben, moi, je suis content. En fait, je ne fais pas ma chaîne pour les abonnés. Bien sûr que ça fait toujours plaisir qu'il y ait des gens qui s'abonnent. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je sais que je suis limité parce que justement, je ne rentre pas dans un moule. D'accord? Je suis à côté, moi. Quand je peux dire de quelqu'un que c'est un connard, je vais le dire. Je peux dire, ouh, je l'apprécie, mais malgré tout, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils sont dans le politiquement correct. Peut-être que je devrais être dans le politiquement correct pour être comme eux. De rentrer dans le moule, mais c'est pas ma manière de voir les choses. Je vous dis, si je dois retourner ma veste, autant fermer ma chaîne YouTube. Voilà. Donc moi j'estime, petit à petit j'avance, d'accord? Je suis à 1537 abonnés, je suis très content. Parce que moi à la base, je vous l'ai toujours dit, mon objectif c'est d'atteindre les 500 abonnés. Donc là je suis au-delà de ce que je voulais, parce que moi je fais ma chaîne pour dire ce que je pense. Et mine de rien, je gagne mes 100 abonnés par mois. Ça monte petit à petit, hein. Donc à terme, oui, je pense que d'ici la fin d'année, j'arriverai à les avoir, les 2000. Mais ce n'est pas un objectif qui est primordial pour moi. Moi, ce qui est primordial, c'est de rester tel que je suis. De garder ma grande gueule et de dire quand ça ne va pas. Attention que ce soit Xbox, PlayStation ou Nintendo. Parce que même Xbox, je suis rentré dans l'art d'Xbox. Hein. Pourtant, je suis pro Xbox. Mais quand ça ne va pas, je le dis. Je vous dis, je ne rentre pas dans le moule. Je ne suis pas dans les cases. J'essaie d'avoir une chaîne qui est différente parce que j'estime qu'il y a trop de moutons, trop de chaînes similaires, des retournements de veste. Hein? Là, le clashage sur Starfield gratuitement. Non. Et là, sur FF16, je suis même pas en train de troller les joueurs là. Je suis en train de parler d'un consommateur vers un autre consommateur. Même si la PS5, je l'achèterai jamais parce que pour moi, je vous l'ai toujours dit, c'est une console de merde et je dis toujours ce que je fais. Il y en a qui ont acheté la PlayStation 5, qui investissent de l'argent, qui ont même acheté le casque VR. Et maintenant, même ceux qui ont acheté le casque VR, les pauvres, ils doivent se sentir à l'abandon, en fait. Ce que fait Sony, c'est invraisemblable et c'est inadmissible qu'un jeu comme FF16, qui pourtant n'est pas une claque technique, hein, soyons honnêtes, hein, il est loin d'être exceptionnel, puisse faire surchauffer les consoles. Méditez là-dessus, sur le point. Enfin, sur ce point-là, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!